L'objectif d'un projet alimentaire territorial, c'est de réfléchir à comment améliorer la résilience alimentaire d'un territoire. La finalité, en fait, c'est vraiment de produire un plan d'action qui va nous permettre collectivement d'augmenter notre résilience. Pour ce faire, en fait, on réunit tous les acteurs du territoire qui sont concernés par le sujet de l'alimentation. Donc ça va aussi bien de l'agriculture en passant par la précarité alimentaire ou la restauration collective. Et on invite chaque personne à identifier les enjeux prioritaires, les sujets sur lesquels on peut trouver des marges d'amélioration. Le projet alimentaire territorial se déroule sur 2 ans. On aura une première année qui sera assez intense, donc cette année 2022, de co-construction avec les acteurs du territoire pour identifier les actions à mener. Et sur la deuxième année, on va essayer d'aller chercher les financements, de commencer à mener les actions. Voilà, ça va être le lancement du plan d'action, en sachant qu'évidemment, ça va continuer au-delà du PAT, hein. L'idée, c'est vraiment de lancer une politique alimentaire qui dure dans le temps.